بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Aujourd'hui un épisode de vie de l'imam Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه. Il possédait un champ et il aimait aller à ce champ et il avait besoin de ce champ. Une après-midi, pour pouvoir prendre soin de ce champ qui était sa ressource principale pour pouvoir manger et vivre, Alhamdoulilah. Il y est resté tellement longtemps qu'il n'a pas eu le temps de pouvoir faire la prière du Asar dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam en jama'a, c'est-à-dire avec le reste des musulmans. Arrivant à la mosquée, il s'est retrouvé détruit par cette nouvelle. Il a loupé la prière en commun parce qu'il a passé trop de temps à son champ. Dans son esprit, il a délaissé Din par rapport justement à, par rapport au fait justement d'être dans une chose qui est liée à cette dunya, à cette vie d'ici-bas. Savez-vous ce qu'il a fait? Il n'a pas dit ma'lish, il n'a pas dit Allah ghafur rahim. Hein? Immédiatement, il a fait la prière, il était encore dans le temps de la prière, c'est très important. Il a fait la prière, il est retourné à son champ, il a trouvé des pauvres, et il l'a donné en sadaqa. Parce qu'il a compris que ces chants étaient rentrés dans son cœur au point de lui faire louper la prière en commun. Voilà qui sont les sahabes, radiyallahu anhu. Voilà c'est qui? Voilà de qui on parle. Voilà de ceux dont on parle lorsqu'on dit radiyallahu anhum wa radu an. Allah est satisfait d'eux et eux, ils sont satisfaits de ce qu'ils ont trouvé auprès d'Allah azza wa jalla. Le tawhid dans cette vie d'ici-bas et le paradis dans la vie de l'au-delà. Deuxième élément pour parler un petit peu de qui est Omar radiallahu anhu. Comprenez bien une chose. La mémorisation du Coran fait partie de la vie du musulman. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui mémorisent le Coran et c'est un bien, c'est un khair. Et on demande à Allah Azza wa Jal de démultiplier ceux qui vont mémoriser tout le Coran al-Karim et surtout, surtout, qui vont l'appliquer. Sachez que Omar a mis 12 années à mémoriser, non pas le Coran, non pas la moitié du Coran, mais simplement Suratul Baqara, la sourate de l'Baqara de la vache. 12 années. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que jamais il ne passait au verset suivant sans avoir appliqué ce qu'il avait appris dans le précédent. Son fils, Abdullah ibn Omar, qui fait partie des plus grands imams de la communauté, radiallahu anhu, a mis lui 8 années à mémoriser Surat al-Baqarah. Et lorsqu'ils ont fini la mémorisation, ils ont fait une fête. Alors ici, ce dont on va parler, c'est une chose très simple. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, « ذَلِكَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ » Ceci est un rappel pour celui qui a un cœur qui est vivant, qui a une écoute attentive et qui est témoin devant les hommes, devant lui-même, pour son Seigneur. Ces trois éléments, un cœur vivant, une écoute attentive et savoir appliquer les choses et être témoin en face de notre Seigneur, sont les éléments de l'application de ce qu'on apprend. Sans l'application, alors toute science sans application n'a pas de valeur. كل علم ليس تحته عمل فهو باطل. Toute science qui ne donne pas naissance à des actions est une science qui est vouée à la perdition. On demande Allah Azza wa Jal de nous donner un ilm nafi'. Comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait, sallallahu ilman nafi'an wa ta'awwadhu billahi min ilmin la yanfa'. Demandez à Allah Azza wa Jal de vous donner une science utile et réfugiez-vous auprès d'Allah qu'il vous préserve d'une science qui ne vous sera pas utile. Très important. Wa barakallahu fikum. Bismillah, l'action, très simple. Encore une fois, de toute façon, subhanallah, l'action c'est toujours simple mes frères. Alhamdoulilah. Il suffit juste de bien réfléchir avant, de comprendre,
avec son cœur, avec sa raison, pour ensuite que l'action soit simple, parce qu'elle n'est que l'émanation d'une chose qu'on avait avant. Al-ilmu qabla al-amal, la science et la connaissance avant l'action. Pendant ce mois de Ramadan, inshallah, il y a Salat Tarawih. Tu vas faire une chose, mon frère, tu vas faire une chose, ma sœur. Tout ce que va réciter l'imam le soir, tu vas d'abord le lire durant la journée en français. C'est-à-dire que tu prends un mushaf arabe-français et tu vas lire en arabe et tu regardes ce à quoi cela correspond en français. Pour ceux qui savent lire l'arabe. Pour ceux qui ne savent pas lire l'arabe, apprenez à lire l'arabe déjà, inshallah ta'ala. Mais pour ceux qui ne sauront pas lire l'arabe pour ce Ramadan, eh bien, regardez attentivement tous les versets. Pour ceux maintenant qui sont arabisants, arabophones, alors lisez le tafsir, l'explication, l'exégèse de tout ce que vous allez faire le soir. Et inshallah, vous allez être comme Omar ibn Khattab radiyallahu anhum, comme les sahaba radiyallahu anhum, dans leur façon d'aborder justement le Coran qui est toujours récité pour ressentir. Nous ne sommes pas dans une course. Et pour ceux d'entre vous qui, par rapport au travail, par rapport à la fatigue du siyam, ne pourront pas faire tarawih à la mosquée, alors faites un tarawih à la maison. L'important, ce n'est pas de réciter beaucoup du Coran. L'important, c'est de comprendre le Coran. Alors si tu fais qiyam al-layl à la maison, inshallah, avec le mushaf pour pouvoir le lire, et pouvoir continuer à le faire, eh bien, lis en français et lis l'explication et tu verras. Ta prière sera complètement différente parce que tu seras imprégné du Coran al-Karim. Mashallah, tabarakallah. Alors mes frères, mes sœurs, faites de ces épisodes de vie, de ces histoires, votre réalité et la nôtre, inshallah. Wa barakallahu fikum, inni uhibbukum fillah.